belle lumière, c'est Christine de l'amour en soi. Bienvenue sur ma chaîne et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve ce matin pour une guidance avec la grande déesse Isis pour écouter son message de guérison. Nous en avons bien besoin en ce moment, hein, avec toutes ces énergies un petit peu compliquées qui circulent. En plus, c'est la nouvelle lune. On a eu pas mal de bouleversements, on va dire, ces derniers jours au niveau énergétique, qui était quand même pas mal. On a, si vous l'avez constaté, peut-être vous aussi, on est moins dans l'envie de bosser, d'y aller. Vous voyez, c'est un peu écrasant. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, on va demander à la grande déesse Isis de nous apporter son message de guérison aujourd'hui pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Il y aura le rituel à la fin, évidemment, pour ceux qui veulent le faire. Ce n'est pas une obligation, bien entendu, et ce n'est pas une obligation non plus de le faire au moment où vous regardez la vidéo. Vous pouvez regarder cette vidéo et faire le rituel de guérison un petit peu plus tard quand vous aurez le temps, ou demain, évidemment, quand vous le souhaitez. Voilà, donc ça sera une vidéo en deux parties. Première partie, le message avec la déesse, et ensuite le rituel qui sera associé avec le message. C'est parti, vous êtes prêts pour le message d'Isis? Eh bien, on le découvre ensemble. Quel est le message d'Isis ce matin? La chambre de guérison, la chambre divine de Dame Isis. Bah, écoutez, en termes de guérison, on ne pouvait pas avoir mieux, je pense. Donc, on va regarder tout de suite. Je vous fais un petit plan, un petit zoom sur la carte. Et on va regarder ce que nous dit Isis. Alors, le temps de trouver la page. Alors, je vous lis le message associé à cette carte. Vous allez recevoir une guérison spirituelle. Restez ouvert, sans attendre quoi que ce soit de particulier, et laissez Dame Isis, maîtresse magicienne, vous aider à trouver une solution à toute situation non satisfaisante. Prenez votre temps, donnez de la place à sa magie et à son énergie. Attendez-vous à un miracle. Cet oracle est un messager. De grands changements vous attendent, ils sont déjà en chemin. Lorsque la divine Dame Isis vous confère quelque chose de magique, vous savez qu'elle le fait dans l'amour inconditionnel. Ouvrez les bras. Ce don vous est offert sans arrière-pensée, dans le seul but de faire votre bien et de vous aider à grandir. Peut-être ne ressemblera-t-il pas à ce que vous attendiez, mais vous comprendrez un jour qu'il s'agit d'un don spirituel divin, même si ce n'est pas évident au départ. Vous en ressentirez l'arrivée et les effets avant même que le problème en cours soit complètement réglé. Vous aurez l'impression d'être libéré, de ne plus être chargé de ce problème alors qu'il sera toujours présent. C'est ainsi que vous apprendrez à guérir. Il est crucial de s'accorder un moment dans un endroit sacré pour que l'intervention divine puisse se manifester aussi bien et aussi rapidement que possible. Il peut s'agir d'un lieu où vous pouvez mettre vos activités et vos pensées quotidiennes entre parenthèses et vous contenter d'être vous-même. Ce peut être un coin de nature, un espace de méditation ou une pièce de guérison, un sanctuaire où vous goûtez la solitude ou un cercle de méditation. Dans un lieu sacré, on est, tout simplement. Nul besoin de penser, de réfléchir, d'analyser. On peut s'ouvrir, laisser venir l'inspiration ou les conseils à leur rythme et s'opérer le mystère de la guérison. On ne doit jamais aborder un espace sacré avec des idées préconçues. La seule chose à avoir en tête est la suivante. Je dédie cet espace sacré à ma divinité intérieure. En évitant de chercher des solutions,
en se laissant aller mentalement et affectivement, en se relaxant sans pour autant s'endormir, on a souvent la joie de trouver l'inspiration, de recevoir des conseils et voir s'éclairer sa conscience. Il suffit de donner de la place aux choses pour qu'elles se manifestent. On obtient les meilleurs résultats en termes de guérison avec de l'espace, de l'ouverture et du lâcher-prise. Il faut se laisser aller pour guérir. Grâce au temps passé dans votre lieu sacré, vous vous préparerez à la magie de Damisis et vous lui donnerez une chance de parvenir jusqu'à vous. Donc voilà, je pense que vous avez tout compris qu'il était, si vous ne l'avez pas déjà, le moment de vous créer un espace sacré où vous allez pouvoir recevoir ce rituel. Donc pour ceux qui veulent stopper la vidéo ici, on va passer au rituel maintenant, puisque vous avez reçu le message. Hein, vous avez compris qu'il y a un grand changement qui s'opère en vous. Il y a des choses qui vont guérir, il y a des choses dont vous allez prendre conscience et ça va résoudre petit à petit le problème qui se pose à vous. Voilà, et peut-être même sans que vous vous en aperceviez. Mais je vous invite, si vous le souhaitez vraiment, à accentuer cette guérison, ce passage spirituel, à vraiment faire ce rituel qui va vous y aider, d'accord? Mais ce n'est pas une obligation. Donc je coupe la vidéo ici et on reprend pour ceux qui veulent faire le rituel avec moi. A tout de suite. Alors, pour ceux qui sont restés avec nous, parce que j'ai dit avec moi, mais c'est surtout avec Isis hein, que l'on va faire le soin, mais bon, c'est moi qui vous fais le... qui vous transmet le message au travers, ça passe à travers moi, je vais y arriver. Alors, l'idéal est de pratiquer physiquement ce rituel, mais si cela vous est impossible, vous pouvez procéder par visualisation. Ça, c'est important que vous le sachiez. Ayez l'intention de vous rendre dans votre espace sacré pour y recevoir l'amour d'Isis et guérir. En faisant cela, vous accéderez à une autre dimension. L'intention transforme l'action en rituel. Au lieu de se limiter à faire quelque chose, on y met toute son énergie. C'est l'intention qui transforme une promenade au parc en voyage dans la chambre de guérison. Alors, rendez-vous dans un endroit que vous aimez, en pleine nature, sur une plage, près d'un lac, dans une forêt, dans une grotte, sur des dunes ou même près de votre plante ou de votre animal domestique favori, dans votre jardin. Peu importe du moment que cet endroit vous comble et vous remplit de joie. Ça peut être simplement votre espace sacré dans votre maison, un endroit où vous aimez vous y rendre pour méditer, pour être en connexion avec vous-même. Imaginez que vous vous connectez à la lumière de votre essence divine. Elle est là, dans votre cœur, avec ses ailes d'un blanc doré qui brillent de toute leur beauté. Détendez-vous. Asseyez-vous ou marchez. Ne faites rien de particulier. Vous pouvez toucher quelque chose, caresser l'écorce d'un arbre, ramasser des coquillages, tracer un dessin dans le sable, regarder les vagues mourir sur la plage, écouter le bruissement des feuilles frôlées par la brise, passer la main sur une pierre et un rocher et sentez comme il est lisse. Profitez-en. Ancrez-vous bien dans votre corps. Si vous avez du mal à vous empêcher de penser, essayez d'imaginer que vous n'avez plus de tête. Connectez-vous à l'espace qui vous entoure et donnez à votre esprit une chance de s'installer dans la sensation physique qui consiste à être là,
dans ce merveilleux endroit. Reposez-vous. Je vous laisse quelques instants prendre conscience de tout ça. Connectez-vous juste à l'espace qui vous entoure. Restez juste dans l'instant présent, en conscience. Si vous avez besoin encore de temps, vous pouvez bien entendu mettre cette vidéo en pause. Et sinon, vous pouvez réciter l'incantation pour clore le rituel. La guérison est là. Elle arrive et tout va bien. Merci Damisis pour ton amour et ta lumière. Pour la guérison que tu m'apportes en pleine nuit spirituelle, qui fait naître le jour sans attendre. Je vous le répète, la guérison est là. Elle arrive et tout va mieux. Merci Damisis pour ton amour et ta lumière. Pour la guérison que tu m'apportes en pleine nuit spirituelle, qui fait naître le jour sans attendre. Et vous pouvez dire à Isis un grand merci et Amenti, qui se dit pour Isis, c'est comme Amen, hein, mais c'est Amenti, A-M-E-N-T-I. Amenti. Et remercier Damisis de son message, de son rituel de guérison. Je peux vous dire qu'elle était avec nous parce que je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu pendant que je vous parlais, j'ai eu une émotion qui est montée. Ça m'arrive souvent quand je vous fais des guidances, mais justement, ça vous prouve que voilà, je ne suis pas seule. Et généralement, quand je les ressens comme ça, ça me fait monter l'émotion. C'est très... Enfin, je suis certaine que quand ça vous arrive, vous avez ces mêmes sensations, donc vous savez de quoi je parle. Voilà, eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu, mes lumières, et qu'elle vous a apporté un petit peu de lumière aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Continuez de déposer, de lâcher ce dont vous devez vous débarrasser, puisque vous savez que demain, nous avons la nouvelle lune du 17 septembre, je vous ferai sûrement une guidance demain soir. Voilà, en attendant, je vous embrasse. Vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail à lamouren.soi.chris@orange.fr pour vos messages, vos demandes de guidance et de soins, ce que vous souhaitez. Et vous trouverez sous ma vidéo, dans le déroulé. Alors, je sais que beaucoup ne savent pas comment faire, comment dérouler et regarder ce qui se passe sous les vidéos. Alors, donc, voilà, je vais essayer de vous le montrer avec un autre portable. À le demander. Donc là, quand vous visualisez votre vidéo, hein, parce que je suis sur YouTube, vous avez une petite flèche là, juste là. C'est vrai, j'avoue qu'elle n'est pas très grande. Et quand vous cliquez dessus, hop, vous voyez que dessous s'ouvre un texte qui vous explique ce qu'on vous présente. Voilà, nous présentons votre attention pour une musique. Voilà, c'est une musique pour remercier Dieu, là, que je vous ai mis la première qui m'est venue. Donc, vous voyez, et donc, quand vous la recliquez dessus, hop, ça se referme et vous avez accès aux commentaires qui sont laissés par les personnes qui ont vu la vidéo. Voilà,
Donc cette petite flèche ici vous permet d'accéder aux infos du déroulé. Donc vous trouverez donc, alors pas celle d'en haut, parce que celle-là c'est pour la publicité que vous voyez, mais celle qui est en dessous. Donc comme ça vous pourrez accéder à l'incantation que je vous mettrai sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bisous mes lumières.